Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur FPS 17 pour notre série reprise d'une ferme. Donc aujourd'hui tout de nouveau, tout de nouveau. Donc aujourd'hui nouvelle map, je suis sur la map, je vous montre. Voilà, nouvelle map. La map s'appelle la Saint-Hilaire, un truc comme ça. Voilà, j'ai oublié de mettre mon chrono, mais c'est pas grave. Donc voilà, et nouveau matos. Alors, comme vous vous souvenez sur l'épisode avant, on est souvenez-vous de le matos qu'on avait avant. Sauf que malheureusement, j'ai supprimé la partie par erreur, j'ai dû recommencer. Et du coup, j'ai racheté la même voiture, sauf que j'ai rajouté un petit truc pour désolé pour le petit coup de lag, pour ma voiture fonctionne, pour faire le plein, etc. Et la ferme n'est pas très loin parce qu'il faut savoir que je vais faire la ferme des vaches. Bon, j'ai une petite question, on va passer par là. Du coup, j'ai acheté ce bâtiment ici. J'ai fait construire ce bâtiment ici parce qu'il faut savoir que je joue avec le Season Mode, et donc des fois les véhicules vont avoir du mal à démarrer. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce bâtiment là, parce qu'il faut ce bâtiment là pour faire réparer les voitures. Et voilà, donc les véhicules, etc. Donc il faut savoir que je voulais acheter les champs, mais malheureusement les champs, je ne peux pas les acheter parce qu'ils sont déjà à moi. Donc voilà. Donc là on est dans la ferme céréalière, désolé pour les petits coups de lag, voilà, etc. Donc voilà le truc, désolé hein, les petits ralentissements. Donc là bas il y aura peut-être un stockage de véhicules, je verrai ce qu'il y a. Ah, j'ai oublié la masse. Bon, la masse on va la garder. Donc j'ai acheté une benne maître de essieu de 14 500. Voilà, désolé pour les bruits d'extérieur. Nous avons notre gros tracteur, donc ce sera le gros en termes de puissance, il fait 150 chevaux. Un Fen Turbo, c'est le 515C favori, d'accord. Donc voilà, nous avons un petit semoir qui fera tout ce qui est restant, donc un Amazon D9 4000. Voilà, donc celui va nous servir pour tout ce qui est céréales, à part pour les maïs, etc., qu'il faudra prendre un autre semoir. Nous avons une charrue Kubota, voilà, Kubota de 4 corps, voilà. Nous avons un cultivateur, nous avons celui que j'adore, le Lensberg. Donc voilà, donc ici c'est notre bâtiment principal, notre bâtiment stockage, etc., de tout ce qui est céréalier. Vous voyez, il y a les silos parce qu'on va faire les vaches. Et je voulais vous demander un truc, est-ce que on commence tout de suite à acheter les équipements des vaches, ou on attend un peu qu'on gagne un petit peu plus d'argent, qu'on aille un petit peu du plateau, c'est un petit peu convenable. Donc voilà, vous avez deux silos, voilà. Là, vous avez les vaches. D'accord, les vaches. Donc là vous avez le bâtiment, il y a peut-être un bâtiment de stockage, voilà. Là on pourrait un peu stocker le foin, etc. Voilà. Et là on pourra mettre tout ce qui est valet de ferme, etc. Alors je crois pas qu'on peut ouvrir, mais c'est pas grave. Donc j'ai oublié de faire un petit truc. Voilà, une petite minute. Alors. Donc voilà, j'ai voulu rajouter un mode pour que les animaux mangent l'herbe, mais non. Du coup, ça ne fonctionne pas. Je vais voir si c'est voilà. Donc, vous avez la laiterie, etc. Donc, dites-moi dans les commentaires. Il faut savoir qu'on va commencer avec deux vaches, du petit matos. Donc, que du matos d'élevage, hein, etc. Donc, il me manque pas mal de choses. Hein. Faut savoir que le budget,
de budget, c'est comme je vais acheter un tracteur de valet de ferme plus d'autres choses, et ben le et ben il va nous falloir pas mal d'argent. On en a pour plus de 100 000 euros déjà, parce que j'ai oublié le plateau. On verra bien. Donc voilà un petit peu. Donc voilà. Non, on va prendre un petit peu de hauteur. Hop, voilà. Donc ici, vache. Ici, ferme principale. D'accord. Voilà. Là, vous avez des petits villages. Là, ça peut être un autre endroit de stockage, valet de ferme, etc. Comme vous voulez. Voilà, désolé, hop, moi je vais vite. Alors la map est grande hein, quand même pour moi. Donc voilà, pas une Kuma, vous avez pour vider ici, vous en avez pas plein d'autres, hein, vous avez pas loin. Voilà, là vous avez un petit, vous avez un gros village. Et là-bas, pour les petits coups de lag, pour les. Parce qu'il a du mal. Et là, c'est le TA. Donc, ils ont tout ça comme matos. Je vais vous montrer. Et voilà. Donc, ils ont tout ce que j'avais au début. Donc, au début, quand j'ai lancé ma partie, désolé, je suis un petit peu enrhumé. Au début, quand ces outils-là étaient là-bas. Donc, ils ont un Fen 700, je crois. Un Fen 700, on est peut-être qu'on ne voit pas grand chose. Un Fen 300, voilà. Avec nous avons une petite benne d'olie, nous avons un autre tracteur, merci. Nous avons un Dutz, voilà. Nous avons un pulvée, on a une moissonneuse case, nous avons un semoir, et nous avons en haut le gars a une voiture. Et ici on a et ben on a notre tracteur le 1455 international, pas international, si c'est international, non ouais. Et avec un cultivateur. Alors les champs ne sont pas stables et tout, mais j'ai oublié un petit truc. Si j'appuie sur insert, j'ai pas les. Ouais. J'ai pas, donc tous les champs sont à moi. Donc j'ai testé ici. Donc celui-là, ce sera le nôtre. Ne hein, vous inquiétez pas. Il y en aura un autre un peu plus tard. On verra bien. Donc voilà. On va monter par celui-là. Donc voilà. Faut savoir que c'est. Voilà, il y a plein de choses qu'il nous faut. Alors le tracteur, ce sera un Ford. Mais je pense que ce sera pas le même Ford. Je vais voir. Donc c'est toute une gestion, etc. d'outils, un petit peu plus. Donc je vous montre maintenant le tracteur de valet de ferme, s'il veut bien. Si Gugus veut bien. Parce qu'on a déjà un 150 chevaux, mais un 150 chevaux. Donc je vais vous montrer, s'il veut bien. Parce que maintenant je voulais celui-là je crois. Alors, sauf que voilà, 194, ouais, c'est quand même un gros bébé. Hein. Donc voilà. Si machin va bien. Voilà. Sinon il y avait celui-là. Un 110 chevaux. Il n'y a pas chargeur avant. Et du coup, j'aurais pu me rabattre sur le tracteur, hein. Celui-là on pouvait, hein, 70 chevaux, je pense que ce sera un petit peu limite, parce qu'il nous faut une dessileuse et peut-être une mélangeuse, je verrai bien, et de l'achat des bottes, donc j'aurais pu me rabattre, voilà. Du coup, je me suis rabattu sur celui-là. 100 chevaux, nickel propre. D'accord. Sachant qu'il nous faut, je crois que une mélangeuse de l'eau, on a. Donc, ouais, ça va être quand même du propre. Donc voilà.
Donc du coup j'ai pas mal de trucs, hein. J'aurais pu prendre un somme si je voulais. Sauf qu'il est trop. Il est trop puissant. Après j'aurais pu inverser, hein. Le fun pouvait être. Sinon un petit Renault. Mais sont buggés. J'aurais pu prendre. Lui j'aurais pu. Mais pas assez puissant. Du coup, je me suis rabattu. C'est pas celui-là. Après, j'aurais pu me rabattre là. Sa puissance, c'est combien? Sa puissance, c'est de. Ah bah, il n'y a pas de puissance. Cool. Sinon, j'aurais pu me battre sur ouais, un 122 ou un 130. Dites-moi dans les commentaires, un 130. Après, j'aurais pu mettre ouais, celui-là. Mais bon, c'est 105 000. Il faut pas mal d'argent. Donc, déjà que j'ai acheté pas mal de trucs. Voilà, vous avez quand même un paquet de mods que j'ai. Hein, lui, pas assez puissant. Lui, non. Lui, le 600, on aurait pu. Le 600, on aurait pu. Voilà. Donc voilà. Donc pas mal de choses. Donc ça sera une vidéo très très courte. Hein. Je sais pas combien de temps elle va durer. Voilà. Donc vous voyez, il y a, on aurait pu prendre celui-là. On aurait pu prendre celui-là si on était vache. Ouais, donc on aurait pu prendre un masset si vous voulez pour certains. Ouais, mais c'est qu'il est 95 chevaux, au moins 100 chevaux, mais bon. Parce que il faut savoir que j'ai pas encore dans aliments, si je trouve. Nous faut une pailleuse. Ici ah bah Julien j'ai peut-être pas besoin là Julien je n'ai peut-être pas j'ai pas besoin de celle-ci ouais parce que si elle peut pailler ouais du coup on prendra la Julien et peut-être celui-là qu'on prendra en celui-là on verra bien plein de trucs. Trop petit, ouais, on verra bien. Donc voilà, c'est vrai que celui-là, 10 000 litres, ouais, c'est quand même convenable. Donc, c'est un petit peu pas mal de trucs. Faut savoir que j'ai aussi la tablette. Normalement, j'ai la tablette, si elle s'affiche. Si mon jeu lui répond. Non, j'ai pas la tablette. C'est quelle touche? Ah, si, j'ai la tablette. Vous voyez, j'ai plein de choses. Là, j'ai pour la finance et tout, etc. Voilà, j'ai plein de choses, hein. J'ai rajouté plein de trucs, il y a manager, etc. Voilà, les autres fermes, c'est voilà, c'est ici au cas où on continue, on va sur une autre ferme, ah, voilà, on aura 200 000 euros pour y aller, voilà. Donc, on va voir les articles, paiement des salaires, autres. Ah ouais, d'accord. Donc on verra bien. Voilà, donc là vous avez tous les véhicules. Donc là c'est la ferme 4.
Et là, c'est la ferme 1. Donc, c'est tout ce que j'ai. C'est un petit peu des trucs à gérer. Donc, ce sera une vidéo courte ou longue, j'en sais rien. J'ai pas mon truc. Voilà. Et j'éteins la table. Donc, voilà. Donc, nous, on va s'arrêter sur là. Désolé. Oula. On va arrêter sur là. Dites-moi dans les commentaires si oui ou non on attaque tout de suite les vaches. Il faut savoir qu'on aura deux vaches au début et après elles vont se reproduire, etc. Et nous, on n'aura pas besoin d'en acheter d'autres. Et on va essayer d'avoir une cheptelle de 10-20 vaches. Et après, on aura de l'argent pour notre ferme. Donc, sur ce, on va se laisser là pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire positif, négatif. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à voir en description tous les autres liens. Et un autre truc, avant qu'on se quitte, j'ai ouvert un serveur Discord. Donc c'est très simple, je vais changer de truc, d'accord, je vais vous mettre sur mon écran et je pourrai vous expliquer, etc., mon Discord, comment ça va se passer. Là, je vais enregistrer parce que j'ai mis le mode chercheur, mais j'ai pas pu mettre le mode pour les vaches pour qu'elles mangent l'herbe et que ça considère dans mon truc que c'est de l'herbe. Donc voilà, hop, tout, hop là, s'il veut bien, voilà. Donc voilà, alors j'ai ouvert un Discord. Un Discord, donc c'est pas le bon là. Voilà, c'est celui-là. Il faut qu'il aille. Il a du mal. D'accord. Donc ça, c'est le serveur de. Voilà. Donc j'ai ouvert un Discord. Donc c'est très simple. Je vous mettrai le lien dans la description ou je mettrai dans mon truc de fiche le Discord si vous voulez rejoindre. Vous arrivez donc, c'est simple, vous arrivez ici. Alors, accueil de présentation, vous devez vous présenter. C'est très simple, vous devez vous présenter. Moi, c'est simple, je vous mets accepter avec votre logo du mail, avec le nom, le pseudo du joueur, le pseudo de l'autre personne, d'accord, qui a envoyé la présentation. Et c'est très simple, moi je dis accepter, voilà, c'est bon. Donc en fait, quand vous arrivez, vous devez vous présenter. Dès que moi j'ai marqué accepter avec votre nom, avec le pseudo, moi, je vais aller dans les paramètres, modifier ça, et je vais vous mettre personne confirmée. C'est-à-dire que personne confirmée, vous aurez droit aux autres salons. Ça veut dire que vous aurez, là, c'est interdit. Donc, vous aurez droit à d'autres salons, accueil, annonce. Annonce, vous n'aurez pas droit. Vous aurez droit d'y aller pour voir, mais vous ne pourrez pas écrire les trucs. Accueil, vous aurez plus besoin d'y aller, à part si vous voyez des nouveaux, bah, vous voulez dire bienvenue aux nouveaux, etc. Il faudra juste attendre que je sois connecté pour mettre accepter, lire le truc, etc. Donc là, vous avez donc accueil, vous avez annonce, voilà, vous avez général. Donc ici général, vous faites la présentation. Vous avez mode, donc ici, si vous voulez mettre des liens de mode, c'est disponible. Vous avez le multimédia game, comme moi j'ai mis hein, sur ET2, etc. Vous avez irréel, pareil. Alors, faut pas mélanger les deux trucs. Et là, vous avez le salon vocaux. Donc, vous allez général, si vous discutez général. Si vous jouez à ETS2, le salon du ETS2. FS17, c'est pareil. ATS, c'est pareil. Détente, c'est pour d'autres jeux que ETS, FS17, ATS. Et AFK, c'est si jamais vous allez manger ou autre, vous mettez en AFK, si vous voulez pas vous déconnecter. Et si jamais vous avez oublié, ça vous met automatiquement en AFK. D'accord? Ici, c'est le bureau du patron, donc c'est moi. Et vous avez le bureau des modos. Donc les modos, il n'y en a qu'un seul qui s'appelle Carvan, d'accord. Là, il n'est pas connecté. Donc voilà, vous avez les différents. Donc, vous avez ceux qui sont en ligne, donc les personnes confirmées. Vous avez les modos et vous avez le patron. Donc en rouge marqué, c'est les modérateurs. Et en gris, un petit peu en gris, c'est le patron.
Donc c'est très simple. Les modos et les patrons ont la même, les mêmes options. D'accord, ils ont les mêmes options, sauf que là j'ai fait deux bureaux. Bureau et bureau des modos, bureau des patrons. Donc si jamais vous voulez dire un truc au patron, j'ai juste à changer dans le serveur, dans mon serveur, vous cherchez dans la liste des autres membres et de vous sélectionner, de vous enlever la clé. Ben, moi j'appelle ça une clé, mais la clé, c'est pareil. Hein, personne confirmée qui veut me parler, je sais pas, d'un mauvais truc, un truc comme ça, qui veut dénoncer un truc au patron, que je puisse faire mon maximum sur. Pour virer quelqu'un, etc. D'accord. Je vous enlève la clé confirmée, personne confirmée, et je vous mets patron juste pour aujourd'hui, par exemple. Vous venez, vous me parlez, vous me dites ce qui se passe, d'accord. Moi, je prends note, etc. Et après, hop, il redevient personne confirmée. C'est pareil pour les modos, voilà. Donc là, j'ai mon jeu qui s'est relancé. Donc voilà, le lien sera dans la description, vous inquiétez pas, c'est tout géré, interdit de modifier certains trucs, il n'y a que les modos et moi qui peux modifier des trucs, donc le patron et les modos. Donc sur ce, nous on va se quitter là, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, donc tout le monde.